Bonjour, je m'appelle Jean-Georges Guérin, je suis bénévole au sein de l'association OSI Orphelin SIDA International en France, détaché par une ONG, sur une ONG béninoise qui s'appelle Action Sociale. Je suis venu en mission courte afin de préparer une formation apicole qui permet aux jeunes OEV, orphelins et enfants vulnérables, de participer à une formation professionnelle. Cette formation est destinée aux enfants de 15 à 18 ans et nous avons déjà commencé cette formation dans une ferme à Dambo au courant du mois de mars. À cette formation était associé Clovis Audoux qui aujourd'hui est formateur pour les jeunes. Je te passe la parole, Clovis. Bonjour, je m'appelle Audoux Clovis, je suis le responsable de la formation en apiculture dont Jean-Georges Guérin est venu nous faire. Donc, le but de la formation est juste pour les enfants parrainés pour l'auto-emploi. Donc, comme les enfants qui sont de 15 à 18 ans, pour qu'ils aient une source de revenus pour poursuivre leurs études à l'école. En poursuivant bien les études, à la fin, ils peuvent avoir cela encore de côté pour subvenir à des besoins. En fait, cette formation, elle est destinée à leur procurer un métier qui peut être complémentaire à une autre ressource et surtout cette formation apicole et s'ils accèdent à ce métier de l'apiculture peut leur permettre d'avoir des revenus complémentaires beaucoup plus intéressants. Voilà.